Eh bien, salut à tous, c'est Kenji, et je vous retrouve pour une vidéo sur Brothers in Arms. Ouais, donc je l'avais promis, le voici. Putain, ça fait des verres. Et voilà, donc on se retrouve pour la suite, c'est donc Brothers in Arms. Donc ça, c'est le troisième et dernier jeu de la série Brothers in Arms. Oui, il y a eu un autre jeu qui est sorti sur mobile, bon, on le comptera pas. Je crois qu'il est sorti sur mobile, je sais plus si c'est Brothers in Arms ou si c'est un autre jeu. Non, je crois que c'est Brothers in Arms. Et il y avait un jeu qui était prévu après... Je crois que c'était Brothers in Arms 4, un truc comme ça, mais au final c'était annulé. Et voilà, donc celui-là c'est le dernier de la série. Et voilà, donc il va se passer durant l'opération Market Garden, qui sera la plus grosse opération de parachutiste déjà de Seconde Guerre mondiale, et je crois même de l'histoire, et qui se résultera en un véritable massacre. Et je vais essayer de découvrir l'expérience. Donc on a soit en normal, soit en vétéran. On va essayer en vétéran, vous savez, on va essayer en vétéran. Et si c'est vraiment trop difficile, je baisserai en normal, voilà. Non. Ok, il faut avoir un peu de skill, mais il faut que ça reste assez intéressant à voir. Allez, prêt? Go! Pla 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 pla. Donc là, le jeu est assez différent des autres jeux, donc... Précédemment, dans Brother in Arms. Pimpin. Oh, j'aurais mis de vue la musique là, de quand c'est à New York District. Mon père m'a dit que chaque soldat avait deux familles. Celle-là qui est dans l'année, celle-là qui va mourir, c'est ça? Celle qu'il fonde. Ah non, ça a changé. Et celle avec laquelle il fait la guerre. Ah, ils ont changé là, ils ont changé les voix. Enfin, ils ont changé le texte. Donc là, c'était... Placez-vous près de la porte. Ouais, enfin, là, j'y suis un peu. Je n'arrive pas à me rappeler la dernière fois où j'ai rêvé d'autre chose que des événements de Normandie. Ouh, ça fait mal. Quand tout allait bien. D'après toi, je pourrais pas mettre ça au clou en Angleterre. Allen, il y a marqué pour Matthew sur le côté. Et alors, il y a sûrement plein de Matthew en Angleterre. Des Matthew qui veulent un beau pistolet en argent. Fais-moi voir ça. Nom de Dieu, elle pèse une tonne, cette arme. On pourrait trouer Superman avec ça. Y a rien qui peut trouer Superman. Ce truc, si. Des rêves impossibles à oublier. Eh ben... Ah, je me souviens de ça. Je suis désolé. Les guettes. Qu'est-ce qui s'est passé? La vérité l'a anéanti. C'est moi! Mais il s'est tu jusqu'au bout de la mission. Venez me chercher! Et même jusqu'à sa mort. Ah, c'est plus court, tiens. C'était de vrais héros. On attend que la fumée s'épaississe! Si vous entendez crier, tirez! Si ça crie en allemand, tirez encore! Certaines choses se sont passées après notre victoire en Normandie. Ah, j'en souviens de cette scène. D'autres se sont passées longtemps avant. Maman dit que je peux pas le garder. Désolé, papa. Il s'est passé tellement de choses. Bon. Continuez à tirer et on ne mourra pas ici! Il s'est passé tellement de choses. C'est encore toi qui auras les honneurs. C'est certain. Est-ce que quelqu'un a été touché? T'es au courant pour l'aigle? Oui. Non. Pas une seule perte. Un vrai miracle. Il s'est passé. Les textures sont dégueulasses par contre. Hein. Et ce n'était que le début. Bon, une petite remise. Ouais, remise dans le bain pour se rappeler ce qui s'est passé sincèrement, c'est toujours sympathique après tout. Après, si vous voulez vraiment savoir ce qui s'est passé, regardez les let's play. Hein, ouais. Ou allez jouer au jeu, hein, au choix. Regardez les let's play, non, c'est bien, regardez les let's play. Désactiver le bloc, aller voir les displays et remettez-les pour les autres youtubeurs. Voilà. J'ai pas vu où est-ce qu'on était, j'ai même pas fait gaffe, tiens. Ça m'apprendra. Apprendra les conneries. Mmh.
Aïe. Si t'as pas gueulé, ma grande. Oh. Et pourquoi elle est restée là, cette conne? Où est-il? Quelqu'un l'a vu? Vu qui? Je ne vois rien du tout dans cette fumée. J'ai les yeux qui brûlent. Continuez à chercher. Désolé, sergent. Ne sois pas désolé. C'est bien ce que tu as fait. Est-ce qu'elle s'en est tirée? Ouais. C'est fait flinguer. Elle va bien. Menteur. Bon. Ensuite, hein. Ah, pour l'instant, ça va faire 6 minutes, hein. Bon, bah, ça sera allé vite, hein. Fini. Matt, c'est fini. Je peux jouer maintenant? On doit y aller. Regarde-moi. C'est un assassin, regardez. Non. Coucou. Coucou. Niam niam niam. Coucou. Niam niam. Coucou. Il n'y a pas de graines. Vous savez, canard, graines. Tends la main. Allons-y, Matt. Suis-moi. D'accord. Eh ben, allons-y, jouons. Oh. Une grise. Alors, qu'est-ce que... Ouh, c'est moche. Il faut qu'on je peux pas... Ah, clic molette. Ok, ça c'est vrai que c'est assez étrange, mais pourquoi merde, pas. Ah. Shift pour changer d'arme. Ah oui, mais... Pourquoi pas, hein. Ok. Ouais, vas-y. Je te suis, hein. Allez, vas-y. Merde, d'autres moches. Baisse-toi. Je me baisse. Vas-y. Tire-leur dessus, Matt. Tout de suite. Il est mort. Ah. Continue de tirer. J'y vais. Tada. Par là, j'imagine. On dirait un hôpital. Enfin, c'est un hôpital. Bon, on dirait un hôpital. La MP40, attendez. Quoi? Oh, c'est quoi cette bla... Attendez. Ah, j'ai les trois armes. Oh, ça me plaît. Non, ça me convient, ça, par contre. Ça me convient. Pourquoi pas, hein, je veux dire... Et quand tu fais pour courir? Bon, on avance. On y a? Qu'est-ce qu'on attend? Oh! Coucou! Il a surtout perdu son chapeau. T'es con ou quoi, mon gros? Ouais, j'ai tué ton copain Hans. Et tu vas mourir? Putain, mais je tire quoi? Je tire des patates ou quoi? Allez! Putain, j'appuie sur les patates. C'est cool. Wow. C'est bon. Wow. C'est, on est dans Silent Hill.
Ouais, on fait quoi? On engage, on attend, on se tourne les pouces, on leur demande s'ils veulent pas se rendre. Bon, tu sais quoi? Autant de tag! On s'approche de chez nous! Et pas de visibilité! Bah, oublie les yeux. Batata, 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 batata. Et voilà, c'est simple. Ah, ils sont pas dangereux, hein, si on y va gentiment. Hein. Ah, on peut courir en appuyant sur espace. Oh, c'est cool ça. Ouais, allez, je cours. Ça, c'est un truc qui manquait dans l'ancien jeu, tiens, par contre, tiens. T'as raison, fous-toi, découvert. It was a simple Jackson New. Oh là là. Oui. Quoi? Mais le copain, il était où? Mais de coup... Quoi? Quoi? J'ai pas compris. Non, là, il va me falloir un peu les sous-titrages parce que j'ai pas trop compris ce qui s'est passé, là, les mecs. Hein. Bon, bah, il va falloir faire la let's play pour comprendre pourquoi on s'est fait flinguer. Ubisoft présente un jeu qui date de la bonne époque où il faisait encore des bons jeux. Qu'est-ce qui fait un bon soldat? Sa tête ou son cœur? En tout cas, c'est pas les sous-titres. Mon père m'a posé cette question quand j'avais 7 ans, à la table du petit déjeuner. Je m'en souviens très bien parce qu'il ne m'a jamais donné la réponse. C'est l'homme le plus intelligent que j'ai connu. Mais j'avais toujours l'impression d'être un moins que rien à côté de lui. Ah, t'es toujours, hein. Ah là. Hey, Nez. 20 minutes de cinématique, 5 minutes de gameplay. Il n'arrêtait pas de me dire que je ne faisais pas 18 ans. C'est vrai? Ouais, bon. Ah, dites, vous pourriez parler à Corion pour moi? À Sam, pourquoi? Je sais pas, j'ai l'impression qu'il m'en veut. Je vais voir ce que je peux faire, Frankie. Ne vous en faites pas. C'est toi qui as peint ça, le bleu? Ne m'appelle pas le bleu! Alors comme ça, tu ne sais rien du tout sur ce pistolet. Y'a rien à dire, Doze. C'est juste des conneries que les gars ont inventées. Et tu l'utiliserais? Y'a eu des morts, vieux. Va pas creuser là où y'a déjà des trous. Tu n'as pas répondu à ma question, Courtland. Hé, Corion! On va toujours s'entraîner à 13h? Ouais, juste une minute, Jack. Il est trop jeune. On n'en sait trop rien, Sam. Mais ce gamin est très doué, ou je ne m'y connais pas. Un excellent tireur. Il a touché une pièce de 25 cents à 50 mètres. 25 cents. Il n'a aucune expérience du combat. Tout le monde a récupéré des remplaçants. Et le nôtre est bon. Je me porterai garant de Frankie personnellement. Au moins, c'est bien, il essaie de mettre une mise en scène. Il essaie de mettre une petite mise en scène par rapport à avant. Vous pouviez la peinture, Jazz. Entendu, sergent. J'envolerai un peu pour vous. C'est une réquisition, soldat. Qu'est-ce qu'on va peindre? Nous sommes le fer de lance de l'armée, Jazz. Il faut que ça se voit quand on arrive. À vos ordres. Pourquoi tu dis ça? Il est là! Recule, Mussolini, personne te parle. Je te jure, Paddock, j'en ai ras-le-bol de ces conneries. Mais qu'est-ce qui se passe ici, bordel? Paddock a dit un truc qui l'a fait passer pour un vrai blaireau. Si je vois le moindre bleu, ce sera corvée de pluche et de latrine pendant une semaine. Je sais que c'est frustrant. Je sais qu'on a tous envie de passer à l'action. Ce n'est pas si simple. Peut-être que ça devrait. Peut-être que tu devrais écrire au général Montgomery. T'as un stylo? Le plan n'a pas changé, les gars. On cogne pour passer les lignes allemandes. On cogne jusqu'à Berlin. On cogne Hitler. On gagne la guerre. Et on rentre chez nous pour Noël. Ouais, c'est ça. Dis donc, Paddock. Qu'est-ce que tu veux de mi-portion? Juste un truc. Si tu veux tricher, essaie au moins de ne pas utiliser deux dames de pique. Ah, Paddock, espèce de salopard.
Quel amateur! Il ne connaît rien à la tricherie! Hey, Jazz! Oui, Red! Vous avez la peinture que je vous ai demandé! Ah, gueule plus fort! J'ai la chiasse! Oh putain, quel bon goût! Il est devenu adjudant-chef. Y'a qu'à moi que ça fait bizarre. C'est un peu comme revoir son ancien patron, non? Portland, Mac nous a gardé en vie dans des situations où personne n'aurait survécu. On lui doit beaucoup. Ne me demandez pas ce que j'ai dû faire pour l'obtenir. Vous êtes sûr qu'on peut, Red? Ben, on a tous choisi des indicatifs radio. Ça nous aidera à rouler droit. Et à écraser les Allemands avec nos terribles animaux du zoo. Scheiße, ein Zebra! Ah, le zèbre est un animal féroce. Hey, les espadons sont sacrément costauds. Une fois, mon pote Nathan s'est fait transpercer la main par leur... On dit bec? Attendez, c'était quoi l'autre? Le toucan. Il te crève les yeux à coups de bec, vieux. Ok, ok. Bon, les gars, je suis pas comme Mac. J'aime pas les longs discours. Demain, nous partons en Hollande pour ouvrir une future route. Opération Market Garden. Alors, allez vous remplir l'estomac avant de faire le plein de sommeil. Profitez-en parce que ça n'arrivera plus avant un bon moment. Ouais. Et très peu reviendront. Tiens, il y a mon clavier qui... Attendez, je voulais... Je vais prendre une photo, attendez, avec le portable. Là, attendez. Ah, c'est joli, tiens. J'ai jamais la vue. Bon, c'est pas parfait, mais c'est sympa. Ce sol se rapproche drôlement vite. Ça va aller. Non, ça ira pas. Attendez. Qu'est-ce qui fait un bon soldat? Sa tête ou son cœur? Sa capacité à survivre dans ce genre de situation. Oui. Bah ça va, il s'est bien atterri. Franchement ça va. Hein. Ils ont bien atterri les mecs. Hein. Ils auraient pu tomber pire. Hein. Vite, sortez la Jeep maintenant. On a une liaison à établir. D'accord. Bah voilà. Une petite mise en scène bien sympathique. Bon, un peu molle hein, quand même le début. Hein. Il est un peu mou le début. Hein. Personnellement, je m'attendais un peu plus de défense. Je m'attendais, je sais pas, à la DCA, à n'importe quoi. Ou... Je sais même plus, attendez, faut que je vérifie. Personne marque de garde. Faut que je vérifie ça par contre. Ah, il faut que je vérifie ça par contre. Faudra que je relise les trucs sur Market Garden. Faudra que je relise. Putain, j'aurais dû faire ça avant d'enregistrer la vidéo. Bof, tant pis. C'est pas grave. Bien. Ici, on a un double objectif. Un. Sécuriser le site d'atterrissage pour les planeurs qui arrivent. Sam et Zano, c'est pour vous. 2. Obtenir un rapport d'un certain Nick, un résistant néerlandais, près d'une ferme, pas loin d'ici. Il parle de cette ferme-là? Oui, c'est ça. Ça, c'est pour moi, Jasper et Connor. On prend la mitrailleuse. C'est parti! Nice! Allez, c'est parti! Bon, on est bon? On est chaud? On est frais? On est frais! Ah, ok, on a comme un. Bon, ça va les mecs. Alors, bonjour. Putain, je. Ah, bah, c'est ça. Oh, une Browning. C'est pas mon appareil favorite, hein, par contre. Hein. Je préfère la MG. Hein. MG42. Bonne vieille tronçonneuse Hitler. Alors, comment est-ce que je fais pour le faire venir? Non. Non. Bon, faut que j'aille faire les touches. B. La touche B. What? Qui? Ouais. Ah, mais non, je suis con. Ça, c'est sectionné, je suis bête. Ah là 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 là. Rassemblement, c'est quoi? C'est 4. Soldats, rassemblement. Attendez. Quoi? Non. Tant pis, alors on va se démerder. Oh punaise, c'est moi, ils ont mis le truc plus lent, le mouvement. Le quai était pas rapide de base. 6 grenades! Waouh! D'accord, oh, d'accord.
installez-moi cette mitrailleuse. Des moutons. Waouh, mais ça c'est l'évolution du jeu vidéo, ça regardez. Par rapport aux anciens jeux vidéo, les chevaux avant dans l'ancien jeu étaient morts. Là, on a des moutons vivants. Restez avec moi. Eh ben, on reste ensemble. Je suis Nicolas et je vais essayer de vous aider. J'ai préparé une carte. Ce n'est pas grand-chose, mais j'ai repéré des positions allemandes. On n'a pas beaucoup de temps. Waouh, ils parlent bien notre langue. Enfin, moi, si. Nous devons être très prudents. Il y a des Allemands de l'autre côté de ce mur. Maintenant, je dois aller retrouver mon fils Peter. Il veut se sauver et aller se battre, et si je ne retourne pas vite chez moi, j'ai bien peur qu'il le fasse. Bonne chance, sergent Baker. Y a pas de chance. Y a que du skill. Parce qu'on est américain. Allez, flingue. Ouah, c'est quoi ces traçantes? Mais c'est dégueulasse. C'est quoi ces trucs là? Aïe, j'aime pas ce clic. Montre-toi. Mais par ici. Changement de plan, voilà d'autres boches. Cet endroit est un enfer. Là. C'est moi un sniper. Allez, feu, 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 feu. Oh putain, mettez-vous là. Et arrosez, lèche-le. Oh nice, ils ont mis des animations. Ça. Ah, ça c'est bien ça. Ça, je trouve que c'est une bonne chose. Pas ce que je vais faire, c'est pas ce que je vais faire. Putain. Ça va, au moins il y a des améliorations. Putain, allez, vas-y, vas-y, vas-y. Attendez. Ah ouais. On va attendre, on va attendre. Ils ont tiré à la carte, je crois. Bon, c'est pas grave, je vais faire 100. Ça, allez. Je sais pas si on peut retenir la respiration. Est-ce que ça vaut le coup? Ouais, ça vaut le coup. Allez, on va essayer. De toute façon, la garant, on aura une grande chance de la retrouver après. Hein. Et la garant, de toute façon, ça n'a jamais été une arme que j'apprécie. Dans les jeux, j'ai toujours trouvé que c'était une arme qui était assez peu efficace. On peut aller là-haut? Attendez, j'ai envie de visiter. Ouais. Quoi? C'est quoi ça? Qu'est-ce qu'ils font? Ouah! D'accord. Vite, installez-la là. Chut, chut, chut. Un, deux. Charge, on se calme et on prend. Allez, attendez. Chut, chut. Allez. 1, 2, 3, 4. Pouh, ça fait mal, bitch. Alors, montre ta bouille, montre ta bouille. Ça va. Bon, pour l'instant, c'est gentil, hein. Quoi, les Allemands dans la maison ou ça? Quelle maison? Pourquoi? Oh, cette maison. D'accord. Eh bien, continuons. Unité, ramenez-vous ici. Je vais les mettre là. Allez là-bas et couvrez-nous. Je peux pas aller dans la maison. Mouvement d'ennemis. Où ça? Base d'appui proche.
Une 42. Montre ta bouille, 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 montre ta bouille. Allez, montre-toi. Wouah! Est-ce que je pourrais passer? J'ai une idée, allez! Allez. Oh, tire pas sur ça, tire pas sur ça, du con. Tu sais, il a failli me tuer. Tire comment? C'est pas ce que je voulais faire. Oh. Parfait. Non, lève-toi. J'ai un peu de mal avec les commandes, c'est un peu lourd, hein. Comment est-ce que je peux faire? Attendez, je peux monter là-dedans? C'est... Non, je garde la Thompson, elle est bien. On a l'AMG. Ok, promis, j'arrête. J'arrête de faire cette voix, elle m'énerve. On a la tronçonneuse, regardez. Attendez, il faut juste que je trouve une bonne position. Faut utiliser, attendez, déjà. Voilà. C'est du frais, c'est du bon, on continue. Pas très malin le boss, hein. Alors, il faut que j'aille vérifier, c'est quand pour se mettre à couvert. Couvert le couverture. Alors, attendez. LB. C'est quoi LB? C'est quoi LB? Ouais. Est-ce qu'il m'aurait pas donné les commandes pour la manette, par exemple? Ça va pas le faire. Avec moi les gars. D'accord, c'est par où? Viens, viens, viens. C'est là. C'est là. Et quoi? Cool. Attendez. Sécuriser la zone d'atterrissage W. Et mise allemande de la maison. Ah parce qu'en fait là j'ai mon clavier qui m'a. Ah il fallait sortir de la ferme. Oui, bien sûr, c'est pas très intelligent. On installe là-bas. Vite. Oh, c'est beau, c'est... Oh, c'est du beau, oh, c'est du beau. Mettez la mitrailleuse là-bas. Je compte pour la poser, je compte pour la poser, je compte pour la poser, je compte pour la poser. Non, je vais pas faire ça, je vais pas faire ça. Qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je vais faire? Ah. Mais je fais comment, putain? Non, pas ça que je voulais. Oh là 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 là, mais comment est-ce que je fais pour déployer cette putain de MG? Ah là 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 là. Ah. Sélectionner. Lancer, utiliser. Ah, peut-être X. Peut-être X. Faire feu, bon, ça me paraît logique. Retrancher, mais le retrancher c'est quoi? Attendez, vous savez quoi? Attendez, ah c'est quoi? D'accord, je suis quand pour tirer. Oh putain. Oh ça passe. J'ai toujours pas compris comment on faisait pour se mettre à couvert. Bah tire. Tire.
Mais c'est pas vrai, mais tire de... Tire ! Aïe 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 aïe. J'avoue que j'ai toujours pas compris qu'on faisait pour se mettre pour déployer la mitrailleuse. Hein. Toi. Ça y est. Alors attendez, ce qu'on va faire, c'est que je vais changer. Alors, si je prends cette MG là, qu'est-ce qui se passe? Ah, pour monter. Quoi? Mais non. Attendez, quoi? Mais quoi? J'ai pas compris, attendez. Quoi? Ah, pour monter la MJ. D'accord. Bon, là, jusque-là, ça va. Ensuite. Oh, d'accord. Ça y est, j'ai... Oh putain, c'est... Qu'est-ce que c'est que ça? Mais, je veux dire, quand on a une... N'importe quel FPS, techniquement, quand on a une arme et qu'on se met à couvert, on fait viser. Ça devrait sortir la bouille de le... Enfin, je devrais sortir ça, c'est... J'ai besoin de vous ici et maintenant. Oh, et puis laisse béton. J'y suis. Bon. Pour l'instant... Mmh. Pour l'instant, la maniabilité, elle est pas terrible. Hein. En position. Ouais, bah, je n'ai pas dit de mettre en position, je vais me suivre. Hop là. Je vois que pour l'instant, maniabilité, c'est pas terrible. Hein. Par contre, mise en scène, ça va, c'est mieux. Baker ! Matt, j'ai appris qu'il vous avait envoyé en reconnaissance. J'avais pas compris que vous nous attendriez sur notre zone de largage. Monsieur, quelques-uns de ces hommes ont combattu... Baker ! Ouais, je me souviens. J'ai pas la mémoire des noms, mais j'ai beaucoup entendu le vôtre après le débarquement. J'aurais besoin d'un service, si vous êtes d'accord. Un paquet de planeurs de la division arrive au sud. J'ai déjà contacté l'une de vos jeeps pour qu'ils vous retrouvent ici. En Hollande aussi, les klaxons veulent dire dégage de mon chemin. Pardon, mon colonel. Sergent, on est prêt à y aller quand vous voulez. Ok. C'est-à-dire quoi, c'est... Les renseignements sont vraiment fiables. On est sûr que des Allemands vont attaquer des planeurs? Ça semble être de la folie. C'est pas sûr, c'est pour ça que ça s'appelle de la reconnaissance. Oui, merci, je sais comment ça se passe. On protège les huiles en mourant les premiers, je comprends bien. L'évangile selon Holden. Lol. Ah ouais, c'est toujours pas terminé? C'est quand déjà? C'est A. Cette position ne me paraît pas très sûre. Tant pis. Merci Captain Obvious. Aïe 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 aïe. Je sais que c'est plus simple d'avoir cette caméra quand on est à la quand on est dans un jeu de tir, mais quand même, merde! C'est bon. Allez, c'est parti. Alors, on se met à couvert, on se déploie, et on tire. Sauvez les moutons! Sauvez le soldat Sean!
N'était pas chaude. Venez ici. Bon, alors pour l'instant on peut avancer. Qu'est-ce qui se passe, on mort? Ah! C'est ça la cinématique? C'est qu'un putain d'avion qui passe! Si t'appelles ça une cinématique? Ta gueule! C'est moi qui commande. Et j'ai dit que ceci est une position sûre. Rien en face des ennemis. Bonjour les ennemis, je suis un américain. Je vous apporte la démocratie, les burgers et la liberté de fermer vos gueules. Allez! Peut-être même de ta couvert, moi. Ouf. Copain. Bonjour les amis. Alors. Bon, qu'est-ce qui se passe? Bonjour les gars. Bon, qu'est-ce qu'ils veulent? Ouais. Ouais. Ah, d'accord, je vois. Ah, pas ça. C'est sa touche. Ouais, bon. Ok, alors attends. Celui-là. 1, 2, 3. Putain de soleil! Allez. Allez, vas-y, on avance. Ça commence à être lent. Allez, arrête, lâche la couverture, lâche la couverture. J'ai ma couverture, laisse-la-moi. Non, tu n'as pas le droit de la couverture. Laisse-la-moi. Ah, si on peut tirer une lance. Je veux pas lancer grenade, c'est bizarre ça quoi. Bon, ils y arrivent, oui, putain, ils ont mis du temps les bonhommes.